Et les gens, bienvenue sur frappstesjeux.fr ou sur mon blog distant3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Devil May Cry 3 version HD Collection, donc sur PC. C'est un cadeau qui m'a été fait par Hermine. Encore une fois, merci à toi. C'est reparti pour un tour. On va hop réduire ceci et c'est parti. Donc on était à la mission, je crois, 10 et on a terminé. Donc on passe à la mission 11, c'est ça? Je ne sais plus. Je suis perdu. Monsieur Barbecue est vivant. Coucou Dildo, comment vas-tu? Coucou Gardien de Zoo aussi, ça va? Is that you? What's happening? Where's your mother? My mother? You killed her, remember? Yes. That's right. I killed her with my own hands. What horrible thing have I done? I was too weak. I succumbed to his influence. You mean you were possessed? Father? Yes, I was manipulated. Manipulated by a devil. Named Virgil. Virgil? He's attempting to bring the demon world back to this modern day. A world that Sparta once sealed off. Sparta? I thought he was a myth. If the demons return, this world will be thrown into chaos. Stop him. Même en termes de présentation et de scénario, il est quand même beaucoup plus intéressant que le 1 et le 2. Just like your mother. Father. Father. Ah bah non, que leur avis de pardonner, la ministre, là. Bon, un copain a été possédé. En fait, c'est une excuse à toute chose. J'ai tué des centaines de personnes. Mais j'étais possédé. Ah, pardon, monsieur. On va vous laisser tranquille. Vous n'étiez pas responsable de vos actes. Ah, t'es pas côté atteint. Mission 11, vengeance. Faites le point avec un invité venu du passé. J'ai du pognon à claquer. Il manque pas grand chose. Le début de l'émission. Et bien ça commence. Pas où je vais. Et tu suis le chemin jusqu'au bout. Attends, y'a un truc là-haut, non? Une étoile du diable, d'accord, on s'en fout. C'est pour récupérer de la puissance, ça. Ils sont jolis, décors, j'aime bien. Salut Tom, allez, comment vas-tu? Mais je vais bien, parce que tu me poses la question aussi, j'avais pas fait gaffe à la fin de ton message. Encore une admission. Chiant les gars. Ah,
pas avoir compris. Il ne me regarde. En fait, faut pas que. C'est comme les boues, faut pas que je les regarde. Je viens pas regarder s'il y avait des choses au-dessus. Ah, si tu vas bien, tant mieux. C'est une bonne nouvelle. J'ai rien de particulier par ici. Ok, on s'en va. Je pense que par rapport aux enveloppes de l'anniversaire, les premiers devraient recevoir. Enfin, il y en a qui l'ont déjà reçu, ce qu'ils sont venus les chercher. Mais les premiers devraient les recevoir dans la fin de la semaine. Enfin, la semaine prochaine en tout cas. Je devrais bientôt terminer une bonne partie. Je sais pas où je vais. Je sais pas ce que je fais. Ah, ils sont gravés dans la fontaine. Deux des visages pleurent des larmes de sang. Oh, c'est triste. Vas-y, on va les boucher. Zut. Donc on va par là, par là. Trouvé. En fait, si on n'y regarde pas trop près, les textures sont pas si dégueulasses que ça. Enfin, sont pas si dégueulasses, c'est qu'elles passent bien de très très loin, quoi. Ce qui est le but, sachant-le. Vous avez réussi à ouvrir la porte, félicitations! Ah! Je vais avoir des copains! Un copain. Pas la caméra du tout visible ici. Mais non, mais t'as dans le sens. Pas joli joli, hein. J'ai pris beaucoup de dégâts. Pas trop dur au début de la semaine, non. Enfin, non, ça va. J'ai pas mon plan, en tout cas. Je patauge dans le sang. Ok, donc ça c'est fait, on peut revenir par ici. Enfin, revenir, non, on va par ici. Parce qu'on n'était pas encore allé. Quai du wagon de machin chose. Toc, toc, ça c'est quoi? Il y a un mur invisible, mais il y a un truc en dessous là. Comment je fais si je veux le récupérer? Ah là, il y a quoi? Ah mais bien sûr. C'est chiant qu'on soit limité à deux armes et qu'il faudrait changer à chaque fois et prévoir que là il y a un truc. Du coup j'ai raté ce qu'il y avait dessous. Ah, je suis dégueu. Ah! Ah! Un niveau sur rail. On va se faire comme Donkey Kong. Yeah!
Je me suis fait taper. Il m'a eu. Ok. Ok. Salut Kabe, comment vas-tu? C'est maintenant qu'ils mettent une statue pour acheter des trucs. Peut-être qu'il y a un boss juste après. Salut torture. Tous les coups, il y a un boss là-dedans. La salle est grande, il y a l'objet à récupérer au fond. Bonjour, je suis un boss. Vous y attendez pas, hein? Bonjour tout le monde! Oh, you poor thing! Didn't your mother ever teach you how to use a door? I knew it. Huh? Give me a break. Tell you what, next time I'll try and wear some cologne, okay? It's the stench of betrayal. The odor of that accursed Sparta. A son cleaning up his dad's mess, huh? Where have I heard this story before? Donne deux, trois coups. Trois coups. Je vais crever. Oh, j'ai de la chance pour aller skiller la mienne. Ça sent pas bon ça. Ah bah ça sentait pas bon, ok. Sentait vraiment pas bon. Ok, ce boss c'est horrible. Encore un, mais vous me dites tous qu'ils sont horribles, les boss. Comment vous faites? Comment ça se passe à la fin s'ils sont tous horribles? Ok, ok, bon ben, on recommence alors. Vous êtes mauvais. Bienvenue en enfer. Est-ce que j'ai des sous qui me restent? N'oublions pas qu'à chaque fois il me fait le même coup, il m'enlève mon arme. Donc est-ce que ce boss est vraiment horrible ou pas? C'est là qu'il me faudrait un troisième niveau de... Mais... C'est embêtant. Pourquoi j'ai toujours une équipe pirate? Oh bon, t'as vu, c'est bon. Ok. Donc pour l'instant je suis limité à 3 esquives. Donc si à deuxième... J'apprends à combattre ce boss. Mais sérieux ?
risque systématiquement avoir pour la deuxième. Oupsie. La deuxième phase, il y a une deuxième phase avec... Ouais, mais la caméra, je vais la haïr en fait. Bon, là pour l'instant, je suis convaincu que c'est moi qui joue mal. J'ai pas de droit particulier à reprocher au jeu, donc... On recommence. Viens là, petit. Du coup, j'ai pas acheté mon truc, je crois. Tant pis, c'est pas grave. Puis ensuite, faire ça. Si, ça l'a acheté. Blablabla, bonjour, hop. Toi, t'es avec moi, viens là. Et comme d'habitude, je me fais avoir par ces saletés. Mais non, mais j'ai esquivé. Pourquoi t'as pas bougé? Et ouais, j'ai pas esquivé. Avec celui-là, faut mieux faire des skis latérales. Pas comme ça. On a dit latéral. Le problème, c'est que vu que les caméras changent, effectivement, l'organisation d'esquive ne se fait plus de la même manière. Mais je voulais me bouger, pourquoi t'as pas décollé, bonhomme? Ceux qui visent automatiquement, c'est pas juste. Dommage. Coucou monsieur Tartine, comment ça va? Faye, le 47, comment allez-vous cette belle journée? Vers la loose et au-delà. Ta-da-da. Bref. Bon. On va essayer de bien y arriver. C'est parti. On recommence. GG, tu parles, oui. Je me fais que m'arrêter, c'est trop horrible. Ta vision du Roi Lion 3, comment ça? Ah, mais à chaque fois, c'est pareil. Je sais pas cette manie qu'ils ont là de nous changer d'arme à chaque fois qu'on... Oh, il aura un point faible à l'œil. Eh, sérieusement. N'importe quoi là. Mais esquive. Non, pas ça. Chaque fois je me fais avoir. Espèce de gros poulet là.
Ok. Aïe, ça va être chaud. Vers la loose et au-delà. Félicitations. Il te manquait grand chose ou pas? Parce qu'on s'est arrêté à quoi? Quand il y avait joué, je sais plus ce que t'avais été. Je sais plus où est-ce que t'avais été. C'est quoi ce dessin? C'est un dessin qui a été fait par un des fils de Tartine. Et il a fait un très très joli dessin de Mario. Il est complètement hystérique ce boss. Ah, oh, ça va, ça pourrait être pire. Une fois que j'aurais compris qu'on m'en vainque, ça va aller. Et après, t'as encore des trucs plus galères. Ouais, que du bonheur. Ça me pend, oui. Alors, n'oublie pas qu'il me change l'arme automatiquement à chaque fois sans me poser de questions. Il est pas sympa. Dessin, allez. Enfin, un niveau de Mario. Bon, là, le jaune, on le voit pas parce que forcément, ça passe un peu au travers, mais... voilà. Ah. Ah. Donc, il a fait un dessin. En rapport avec Mario. Mais il y a plein de détails. Vous avez une fleur ici, vous avez... la bombe, elle est où? Elle est voilà, la bombe, une plante piranha, il y a plein de pièces, il y a plein de systèmes de plateformes, les trucs rouges qui déclenchent les pièces rouges, etc., etc. Bah oui, c'est ça que je trouve joli, moi. C'est qu'il a 7 ans, le gamin. Donc, il se déroule, il a pris une règle pour tracer ses niveaux, etc., etc. Ah, mais ce serait peut-être bien que j'évite de... d'attendre en plein dans le jeu, alors que... Par contre, ça serait bien que la caméra... Mais... Ah, par contre, le fait qu'ils veulent pas se réorienter après une esquive... C'est ultra chiant. Je veux bien faire l'attaque que je te demande, merci. Ouais, exactement celle-ci, voilà. Celle-ci, voilà. À chaque fois, je me fais avoir plus de saleté. Déjà, deuxième phase. Et il est chaud celui-là. Mais j'étais en train d'esquiver, saleté. C'est vrai que la caméra là, elle est horrible pour ce genre de choses. Elle est horrible pour ce genre de choses. T'as pas le temps de comprendre exactement ce qui se passe. Vers la loose oui, et au-delà. Du coup, je le garde. Tac, 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 continuez, oui. Je suis à L49. On va avoir une sacrée note bien dégueulasse vu le nombre de morts que j'ai là. Et encore une fois, qu'est-ce qu'il me fait? Il me sort l'arme qui m'intéresse pas. Faut pas que j'oublie qu'à chaque fois, il me fait ce coup-là. Mais non, mais si je garde le bouton allumé pour faire une esquive, c'est pas pour rien, monsieur.
éclate, c'est une attaque. Non. Ah, je me suis quand même fait toucher. Alors on le voit plus. Mais... pourquoi je pouvais pas activer là? Chaque fois je me fais avoir par la attaque. Eh sérieux, mais montre-moi où est-ce qu'il est, ce qu'il fait, s'il te plaît, bouge la caméra plus vite, on n'a pas 50 ans. Oh là là, mais cette attaque dégueulasse. Allez, y'a là. Non, non. Je me suis pris quand même, tant pis. Ah mais il a une attaque de... Ah ouais mais forcément l'attaque de zone, comment tu veux que j'esquive? J'ai pas assez de recul. Vers la loose et au-delà. C'est chaud. T'as rage kit, c'est vrai. Bah y a pas de niveau sur le jeu en fait. Vraiment. Mais ça va, je... comparé au boss précédent de Devil May Cry 1 et Devil May Cry 2, on est large niveau caméra en fait. Elle se déplace un peu trop en retard, mais quand t'as fait le 1 et le 2, je veux dire, mais nous on les a quasiment enchaînés, c'est pour ça, et je vous avoue que ça me faisait vraiment rager. Là j'ai l'impression d'avoir un peu plus le contrôle, donc ça me dérange moins. Et à chaque fois, il veut pas esquiver quand je lui demande. Et des fois, je comprends pas les esquives qui me font. Parce qu'en fait, comme la caméra se déplace, faut bien comprendre une chose, c'est qu'en fait, là... ah, mais... la caméra se déplace en même temps, et en fait, les attaques se font en fonction de la place où est l'ennemi. C'est comme sur un jeu de combat, en fait. C'est-à-dire que dans un jeu de combat, si le personnage est à droite ou à gauche, vous n'allez pas faire votre quart de cercle dans le même sens pour lancer votre attaque. Et bien, c'est le même principe. Et en gros, là, le problème, c'est que la caméra, elle est... oh, il me faut avoir le temps pour cette attaque-là. La caméra, elle est tout le temps en train de bouger. Donc, du coup, c'est la merde. Non. Non, non. Bienvenue à toi. Oui, toi qui viens. Hey ! Ah mais Nico qui distribue les gifts et les cadeaux. Oui, merci Nico. Et en plus, je vais envoyer du love à Nico. Je vais envoyer du love à Nico. Bienvenue à toi. Oui, toi qui viens de t'abonner. Bienvenue à toi. Oui, toi.
toi qui viens de t'abonner. Tac. Bienvenue à toi. Oui, toi qui viens de t'abonner. Donc, Nico, merci pour l'abonnement. À Staff. À Jarkov, à Vincent Tim, à Dildo le Grand Post-it et à Noctilus Play. Merci pour ça, merci beaucoup. Tout ça est juste pour te prouver que les gift subs c'est aléatoire. Oui, c'est aléatoire parmi toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne en fait. Bonne nuit Red, fais de beaux rêves, prends soin de toi, merci d'être passé, à la prochaine, ciao, bisous. Merci pour le cadeau Nico. Bah moi j'y gagne hein, alors que ce soit pour te prouver ou faire autre chose. On va juste te dire merci. Voilà. Bon bah j'ai gagné des abonnés, des subs. Toc, on y retourne. Je finirais bien par l'avoir. De toute façon on avait galéré sur le boss précédent aussi donc Allez. Encore avec la mauvaise vie. Pas voulu esquiver la deuxième attaque. Pour moi. Ouais, c'est concentré. Attention, il brille. Faut que je le fasse plus tôt. Dès que je vois qu'il part en arrière, faudrait que je décolle. Et que je m'éloigne. Je me suis pris en pleine poire le truc. J'ai arrêté de me les prendre en pleine poire les machins. Ah mais cette attaque, je la supporte pas quoi. Non. Mais voyez, mais comment je fais pour l'esquiver celle-ci? Est-ce qu'il faut que je parte en l'air ou que je... Oh, non, tire-toi. Je lui demande de se tirer, il met de plombes. C'est moi qui mets de plombes. Du gameplay à la guitare, il est un peu bizarre effectivement. Je pense que c'est un système de chauve-souris, tout ça. Ah ouais, j'y pense, vous avez pas vu les nouvelles alertes par rapport entre vous? Est-ce que celle-ci c'est une alerte Twitch? Regardez, regardez, allez! Ta-na-na-na! Oui, toi qui viens de t'abonner! Nouvelle alerte Twitch! Hop là, du coup. On va essayer d'y arriver quand même au bout d'un moment, non? Ça serait bien? Déjà 52, ouais. Ouais, je suis très nul. Vous l'aurez compris. Bon, on y retourne. Je casse que mort sans suivre, ce qui est déjà le cas. De 5. Non mais j'ai l'impression qu'au début ils ont fait ça, ils savaient pas trop où est-ce qu'ils allaient en fait. Hein. Encore une fois, bien sûr. Ah mais sérieux, c'est insupportable quoi ça. Pourquoi ils tiennent absolument à te mettre une arme de merde au début quoi? Genre, hé les gars, j'ai une idée trop conne. On va mettre à chaque fois qu'il recharge sa partie, l'arme qu'il n'a pas laissé d'utiliser. C'est extrêmement déstabilisant dès le début du combat quoi.
déjà pas de vie, qu'est-ce que tu sais. Ah, j'en ai marre, mais quand ça esquive pas. Attendez, il a fait un point arrière, d'accord, il a... J'ai énormément à comprendre ce pattern. Qu'on fasse un petit chemin. Vers la loose et au-delà. Alors, par contre, la question c'est si c'est bon, ça fonctionne toujours. J'ai toujours un doute parce que ça fait 2 soirs d'affilée que Twitch se met à planter au bout d'un moment et ça c'est triste quand même. On va pas se mentir. Ok, alors n'oublions pas de changer d'arme avant d'avancer. Là, c'est logique ou ça va aussi nous mettre de face à la porte qu'on vient de passer. Mais bon. Allez hop, c'est parti, on y va. Voilà, ça finit avec l'effet qu'on a d'habitude. Oh. Attends, il a fait un point d'arrière. Non, c'est bon. Est-ce que c'est ce point d'arrière ou pas? Non, c'est pas l'air. Là, c'est super point d'arrière, non? Yes. On a pas marre, sérieux? Alors, c'est pas du tout comme ça que tu peux me l'envoyer en face, mais c'est pas grave. Non. Et si là, je vais esquiver, je fais comment? Même pas s'il revient, s'il revient pas. Attendez, on va reculer là. Il est où, il est où, il fait quoi? Ça, le truc qui me tombe dessus, c'est lourd. Non. Sérieux, mais c'est ultra chiant ton truc. T'as pas d'envie de sauter. Reprendrez-vous un peu de sel avec votre sel, monsieur? Ah, il est parti sur mixeur, Ninja? Je sais pas.
J'ai ma manette Xbox One aussi, hein. Mais je suis un professionnel, je suis entraîné à appuyer dessus. Salut, pourquoi je dis salut? Dark Souls, non, Dark Souls, on fait pas. On fait pas Dark Souls, c'est dangereux pour la santé. Dark Souls, c'est vers très dangereux pour la santé. Et au-delà. Comment ça, t'en as pas beaucoup, Tartine? Quelle est cette idée? Toc, toc, toc. Ok. On reprend. Bon, on comprend plus ou moins le principe, hein, mais... ça corde très bien avec l'armée parée, ouais. C'est ce que disait Mea hier. Hein. Ou avant-hier, je sais plus. Heureusement que j'ai réagi assez vite pour éviter les gros soucis. J'aime pas quand il tape dans le vide. J'ai des envies de meurtre à chaque fois que ça arrive. Ah, j'ai quand même tapé. J'essaie de faire... Je croyais que j'avais réussi à faire une esquive, mais en fait non. Attends. Là, là, je le sens pas. On s'éloigne. Non, non. Non, non. Pas assez loin. Non. Non. Peut-être que je vais m'éloigner là. Ouais. On se rapproche. Arrête de faire ton chien et viens là. Ok, maintenant il tape en même temps. Non. Je sais pas si je me fais toucher. Mais cette attaque, on voit rien en plus avec le machin qui tombe au-dessus là. Sérieux? On a bien vu que j'essaye d'esquiver en fait. Je sais plus si t'as dit bonjour, Jarkov. Oui, Jarkov. De quoi? Ça explique des choses, effectivement.
Attends, toc, toc, toc. D'ailleurs, il faut que je regarde quand même, ça fonctionne toujours. Il fonctionne toujours le système, c'est bon. On peut le remercier, c'est un connard. Oh! Tu veux pas me leurrer non plus. Merci, connard, ça passe. Oh oui. Bonne soirée, Jarkov. Je sais pas si je peux mettre un code dans le chat qui fonctionne avec, uniquement avec les subs. À la base, j'avais essayé de créer un code qui comptait le nombre d'heures passées sur le stream depuis le début et qui vous donnait le même nombre d'heures passées sur le stream en quiche, mais j'ai jamais réussi à le faire fonctionner. Un tournier tourne, n'oublie pas de changer d'arme. Pourquoi t'as pas voulu esquiver encore une fois? Ça commence bien là. N'importe quoi. Bon, est-ce que c'est pas là qu'il faut que je m'éloigne? Si, c'est là. Ah, j'espère avoir. Et je fais deux fois la même bêtise, faut pas que j'attaque vers le haut quand il est en train de faire ça. Non. J'étais encore trop près là, mince. Pas que je me tire là. Mais tape dessus. Ça. Bonne nuit K2M, je vais dire Kishman parce que j'ai vu Kishman au-dessus. Bonne nuit K2M, fais de beaux rêves, prends soin de toi, ça commence avec un K, c'est pour ça, c'est pareil. Voilà, voilà, je suis ultra concentré, je me loupe quand même. Zit vers la loose et au-delà. Ta-da-da-dan. Je me suis fait avoir. Bonne nuit, feu de beau rêve, prends soin de toi, et à la prochaine. Et ça me rappelle qu'il y a Dark Boy qui a envoyé un message en disant Hey, vous savez quoi? C'est quand qu'on reprend Sea of Thieves? Donc, à mon avis, Sea of Thieves, ça devrait pas trop tarder. Donc, je verrai. Faudra attendre que Cal donne signe de vie.
Comment ça, The Alert has been skipped? Continuez. Ah oui, je le veux. T'es nul. Allez, hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié que c'était l'arme de merde qu'on avait dans un équipement. Trop tôt, l'esquive. Trop tôt. Mais au moins, il enchaîne pas les esquives et les machins. Voilà, là il a encore laissé passer n'importe comment. Là c'est ma faute. Là c'est encore ma faute. Ah, j'essaie d'esquiver, hein, mais ça veut pas. Tiens, dans le derrière, mon ami. Non. Eh, merci Senpai pour l'abonnement, petite contribution pour le temps que tu nous offres avec tes lives et des bisous. Merci beaucoup Senpai, ça fait plaisir. Merci pour le Prime. Merci pour le partage de ton abonnement. Merci à toi. Et salut d'ailleurs. Comment vas-tu? Je viens de voir que t'es arrivé sur chat. On est en plein boss et je suis nul. Très nul. Et ça, tu peux le voir. Éloigne-toi. D'habitude, je fais plus de dégâts avant de crever. N'attendez pas à ce qu'il nous lance cette attaque tout de suite. Vous êtes encore mort. Et d'ailleurs, c'est à faire une coupée de rediffusion. Vers la loose et au-delà. Mais si, ça tourne rond, c'est normal, c'est des chatons. Ça repose, c'est calme de voir des chatons. Surtout quand tu peux pas en avoir. On va faire une coupée de rediffusion ici, hein. Puisque ça fait 54 minutes qu'on est en rediff. Donc j'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappe-jeux.fr. On va leur lancer juste après ton alerte Transformers Wooz. Bien une parmi nous, en tout cas, bien une dans la bulle, installe-toi confortablement, espérant que tu te sentiras bien ici. Et donc, comme je disais, n'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappe-jeux.fr et passez une agréable fin de journée. Allez, prenez soin de vous et à ciao tout le monde, du moins à tout de suite pour la suite du live et l'enregistrement d'une nouvelle rediffusion. Et je relance ton alerte tout de suite pour qu'on puisse bien en profiter. Voilà. Et que ton pseudo soit lentil dedans. Transformers, woo. Merci à toi. Allez, à tout de suite. Pum 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 p